Coucou tout le monde, donc comme promis dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'il me restait quelques courriers pour le concours à vous présenter. Donc on va commencer tout d'abord avec la participation de Christine. Donc elle m'a fait une très jolie carte, regardez-moi ce fond vraiment très joli avec des super beaux tamponnages, je les trouve vraiment magnifiques. Regardez-moi ce travail. Alors on peut voir les petites étoiles avec des petites paillettes comme sur les ailes de la fée. Et au milieu, il y a un 1000. Donc je lis son petit mot et je vous retrouve tout de suite. Alors dans cette petite carte, en fait, elle me souhaite félicitations pour les 1000 abonnés. Et elle m'a fait cadeau d'une planche de dies. Pour me remercier parce que moi je lui avais envoyé des tampons. Donc merci à toi, c'est très gentil. Je n'attendais pas spécialement que tu m'envoies quelque chose. Je l'ai fait par plaisir. Donc elle m'a envoyé une planche d'anniversaire. Donc là je pense que c'est pour faire un gâteau. Et ici c'est Happy Birthday. Donc merci, c'est vraiment très gentil. Je voulais vous montrer à l'intérieur. Elle a fait aussi un super beau tamponnage de champignons un peu haut. Donc elle me dit que c'est une... Elle s'est mis... Alors, je ne vais pas dire bêtises, je vais relire le nom. Alors, c'est Lavinia. Donc Lavinia, ces nouveaux tampons. Donc c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Moi aussi, je les trouve vraiment très jolis. Elle ne m'a pas mis que ça. Donc j'ai ouvert son petit paquet. Elle m'avait mis donc des petites plumes comme ceci. Là, elle m'avait mis des tamponnages de bébés qui sont juste trop choupinots. Hop, je vais y arriver. Donc, comme ceci. Et on en a un autre qui est vraiment trop mignon. Regardez-moi ce petit chou qui est en train de dormir dans sa couverture. Donc, vraiment trop mignon. Et ici, on a un petit bonnet pour le petit loulou. Elle m'avait mis des découpes aussi. Donc, celle-ci de feuillage. Ici, un joyeux anniversaire sur une banderole. Donc ça, c'est super. C'est en français. J'adore quand c'est en français. Là, on a un superbe arc-en-ciel avec les nuages. Une belle petite licorne. On a des belles petites plumes en tamponnage qui sont vraiment très jolies. Elles sont très réalistes. Hop. Et ici, on a en fait des découpes. Donc cette découpe-là est faite en papier d'alu, je pense. Tu me diras. Et ici, donc là, ce sont la même, celle-ci et celle-ci. Mais je pense en fait que normalement, on met ça comme ceci sur une carte. Donc tu me diras si j'ai raison ou non. Mais je pense que ça se met comme ça. Donc voilà pour l'envoi de Christine. Donc Christine, tu seras le numéro 9. Donc Christine du 28. Enfin, j'ai mis 28S parce qu'elle est de Suisse, il me semble. Donc, je le mets dans la petite boîte. Elle va retrouver ses petites copines. Donc, voilà. Donc, on va passer à la participation de Ariel. Donc, Ariel m'a envoyé une très jolie petite carte. Regardez-moi, le petit chat au milieu. Il est vraiment trop mignon. J'adore les épis marrons ici. Ils sont vraiment très jolis. Là, on a des petites plumes vertes. Ici, des perles. Là, on a des petits stickers, pardon. Une petite fleur, je pense, en mousse avec du tulle. Là, on a un petit sentiment. Et ici, ce sont du ruban feuille. Là, on a un stickers 3D. Donc, vraiment très joli. Donc, ici, elle m'a mis une petite carte, une impression de carte, avec marqué « Coucou Marie ». Août 2019, Ariel. Donc, je lis son petit mot parce que du coup, son petit mot est juste ici. Je le lis et je vous retrouve tout de suite. Alors, merci Ariel. Donc, ta participation, pardon, me plaît vraiment beaucoup parce qu'elle me dit que sa participation est modeste, mais ça me plaît amplement. C'est vraiment très joli et ça me suffit. Alors, hop, je vais ouvrir la petite pochette. Attention au bruit, excusez-moi. Hop là, alors, on a des tamponnages gorgeous, donc franchement ils sont vraiment magnifiques.
Celui-là, je le trouve particulièrement, très très joli. Donc là, j'ai plus qu'à les coloriser. On a celui-ci. Celui-ci. Donc elles sont vraiment très mignonnes. Moi, j'en ai pas de gorgeous. Des tamponnages comme ça, j'en ai pas. Elles sont vraiment très mignonnes. Donc il me semble qu'il n'y en a pas une seule qui est pareille. Ce sont toutes des différentes. Donc ça veut dire que tu as tout ça en tampon gorgeous. Bah dis donc. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Et les deux petites dernières. Donc ça, il me semble pas que ce soit gorgeous. À moins que je me trompe. Je ne sais pas. Hop. On va mettre ça de côté. Alors du coup, Ariel, tu seras le numéro 10. Donc Ariel, sur ta carte, il n'y avait pas marqué ton code postal, donc j'ai pas pu le marquer. Il suffit juste que je charge un petit papier pour le trouver. Mais là, je ne l'avais pas sous la main. Donc Ariel, le numéro 10. Donc pareil, elle rejoint ses petites copines. On va passer à la participation de Marie-Noël. Donc Marie-Noël m'a fait une superbe carte dans les coloris que j'adore, rose, et avec une licorne dans tout ce que j'adore. Donc je lis sa petite carte et je vous retrouve tout de suite. Alors merci à toi Marie-Noël, merci merci, c'est vraiment gentil. Donc elle me félicite pour mes 1000 abonnés. Alors, elle m'a mis des petites fleurs plates comme ceci qu'on trouvait chez Action. Je les adore, celles-ci, elles sont vraiment très jolies. Elle m'a fait une petite pochette comme ceci avec une ATC dedans. Donc, l'ATC, c'est Rêve étoilé, c'est la 4 sur 4. Elle a été faite le 19/04/2019, pardon, qui a été faite par Marie-Noël. Je vous la montre d'un petit peu plus près. J'adore le fond, vraiment très joli. Là, elle a mis une petite étoile dans la grande étoile avec le message Dream. Vraiment très mignonne. Puis la petite pochette, vraiment très jolie. Elle m'a mis une pochette comme ceci avec, je pense, des scrapidules. Et je pense bien. Hop, plein de petites choses. Voilà. Donc on a une découpe comme ceci de fond. Hop, attendez, je vais mettre ça de côté. Là on a une petite fée qui marche sur la pointe des pieds. Alors on a donc ici, c'est un die cut en 3D. Donc elle me l'a monté déjà. Je ne sais pas si vous voyez, je pense pas que vous voyez. Elle me l'a monté sur mousse. Donc c'est vraiment sympa. Très jolie. Elle m'a mis des petits strass cœur. En fait, comme sur sa carte. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Elle m'avait mis des petits strass cœur sur sa carte. Attendez, je vous montre ça. Donc, juste ici et sur le petit sentiment, elle m'avait mis des petits strass. Donc là, on a des cœurs. Et là, donc il y en a plein, mais j'arrive pas à les attraper. On a des petits carrés. Donc, il y a plein de couleurs différentes. Là, c'est comme des, on va dire comme des marque-pages. Vous voyez, ça se met comme ça, sur une page. Donc, comme un marque-page ou bien, bon, si c'est pour moi, ce serait un marque-page. Parce qu'on ne peut pas s'en servir comme trombone, ça ne tiendrait pas à autre chose, je pense. Quoique, si, ça tient bien à autre chose. Donc, on peut s'en servir comme un trombone. Un trombone, un marque-page. Après, elle m'a mis donc des petites choses comme ceci. Donc, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. C'était un peu en carton. Donc, on a Mickey ici. Ici, on a marqué Mickey. Là, on a une petite bulle avec la tête de Mickey. Et ici, on a un arabesque. Juste là. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Après, elle m'a fait... Alors, attendez, on va continuer avec les découpes qui sont juste ici. Donc, elle m'a fait, hop, des petites découpes de Zozio. Donc, ils sont vraiment trop choupignons. Donc, j'aimerais me relancer dans un junk et j'avais l'intention de le faire sur le thème des oiseaux.
Donc ça irait très bien dans un junk. Voilà. Et là, elle m'a fait plein de petits tamponnages. Donc j'essaye de réussir à les attraper. Donc là, sur celui-ci, on a petit trésor. Sur celui-ci, 50% papa, 50% maman. Le même juste ici. Là, c'est Jacadi Be Happy. Alors là, c'est plus doux des bonheurs. Le plus doux des bonheurs, pardon, est celui qu'on partage. C'est bien vrai. Là, c'est concentré de douceur. Celui-là, j'aime bien. Chute bébé d'or. Et en dessous, moment unique. Là, on a tué à croquer. Ah, celui-là, il est vraiment sympa. Demain, je me lève de bonheur. De bonheur. Oui, bonheur, bonne. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite phrase. Donc, voilà. Hop, j'ai enlevé tout ça. Pour toutes les petites choses qu'elle m'avait mis dans son enveloppe. Attendez, je vais mettre ça dedans parce que sinon, je vais en mettre partout. Je commence déjà à en mettre partout. Hop, voilà, j'ai tout remis dedans. Donc, du coup, Marie-Noël sera le numéro 11. Donc, voilà le petit papier. Donc, Marie-Noël, le numéro 11, elle vient du 03. Donc, pareil, elle va retourner voir. Bon, elle va voir ses petites copines. Donc, voilà, je n'ai pas touché aux autres petits papiers que j'avais mis avant. Donc, ils sont toujours dans la petite boîte et ils n'ont pas bougé. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Ben écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!